Vidéo ça gagne là la donne. Mais j'espère regarder jusqu'à la fin pour pas manquer une point que me gal débattre yo là. M'te posté sur page Facebook mon teacher Daniel Aneus, demandé qui ça qui bail problème qui empêche ou parler anglais. Dans pile monde qui te dit c'est listening, writing, etc. C'est raison qui fait m'a font série de vidéos pour me capable aider en pile monde pour me partager ça m'apprendre dans l'anglais et expérience que me fait. C'est certain que par contre toute bagaille dans l'anglais pas vrai. Pour réellement dire que ou bien maîtriser une langue, ou a besoin quatre compétences ça. Ou a besoin qu'à tendre l'anglais, parler l'anglais, écrire l'anglais et puis lire l'anglais. Si m'ta dit en anglais, listening, speaking, writing et puis reading. Aujourd'hui, nous pral débattre sur listening et m'espérer que ça m'pral partager avec yo a utile ou. Pour ta bien maîtriser ça ou le listening en anglais, tendre dans une langue, l'étape nécessaire pour voyager à vivre pendant un petit temps dans le pays. Mais ce n'est pas obligatoire, parce que même dans le pays où vous avez maîtrisé la compétence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous dans deux catégories. La première catégorie, elle a gagné 8 points que je vais traiter avant qui permettent d'entendre l'anglais plus bien, d'une manière générale. Et dans l'autre catégorie, elle a gagné 5 points que je vais partager avant lorsque vous êtes devant physiquement, pour vous communiquer avec elle. Now, the big thing you have to do. Puis gros bagaille qu'on gagne pour faire pour améliorer tendé ou ça n'après les listening en anglais là, you have to set an objective. Ou supposer fixer your objectif. Objectif là, il n'est pas l'autre que listening English better. Tendé anglais puis bien. C'est objectif là ça. Là fin de objectif là qu'on y a, on détaille ou en plan. C'est plan ça que on gagne baou là. The question is, what should I do to better my listening skills? Qui ça me ka fait pour m'améliorer listening moi? Tandem. Eh bien c'est gain objectif et puis détailler en plan. Nous connaît pour parler quel que soit l'anglais, c'est créer habitude. C'est habitude liée. Et c'est ça qui fait gain monde qui connait voyager à l'autre pays pour capable beaucoup plus facile créer habitude ça. Bon mal bon quelques points que ka détailler en plan qui ka permettre créer habitude ça. Number 1. Listen or talk to native speakers very often. C'est tendre ou bien parler via réseau social ou bien quel que soit gens liés avec natif plus souvent. C'est une plus gros bagaille qu'on fait pour créer habitude ça. Prends habitude parler avec natif soit dans téléphone, dans live qu'il a fait, dans l'autre activité qu'il a fait pour créer habitude tendre ça. Number 2. Watch native videos to create habits. Gardez vidéo natif pour capable créer habitude ça tout. Alors, regardez plus vidéo. Les gens sont artistes qu'on remet, et puis, n'en gardez œuvres, n'en gardez vidéos, n'en gardez tout ça que l'a fait sur les réseaux sociaux, et vous commencez à apprendre quelques bagages de l'artiste. Vous commencez à venir plus comprendre. Les mettre son professeur comme natif, les mettre son artiste, les mettre quel que soit monde qu'on remet, eh bien, gardez vidéo. Restez focus sur lui, dans ça que l'a fait sur les réseaux sociaux, il est capable d'améliorer listening dans l'anglais. Number 3, listen to motivational speakers. Ce qu'on fait encore, c'est tendre motivateur. Tendre motivateur sous plateforme. Quelle que soit la plateforme que lié. Moi-même, personnellement, motivateur que je remets en pile, que je m'adapte, ça fait longtemps, depuis que je n'ai pas appris l'anglais, c'est Les Brown. Son qui est en pile, il change vim tout. Donc, ou qu'on choisi un motivateur, ou bien choisi tendre en pile motivateur, ça aide non seulement pendant que vous apprenez, ou à tout changer mindset, mais en même temps, on va développer habitude ça qui c'est listening. Pas bien listening son habitude qui est lié. Plus on obtient des motivateurs, c'est là où on va le oreilles où on va commencer à habituer avec ça. La vie nous fait tout à fait naturel ou on attendre. Number 4, watch films or series. Quatrième chose qu'on a fait, c'est garder film ou bien série. Mais quand l'autre expérience qu'on a fait tout qui est vraiment important. C'est aller prendre un film que tu as regardé avant ou bien une série que tu as regardé. Par exemple, moi-même, moi j'aime un film mystique, moi j'aime un film magie. Moi, tu as regardé Merlin. Là, je regarde une série Merlin ou bien Grimm, quelle que soit la série qui est là. Là, je me suis dit que c'est français seulement pour m'attendre dans la ville. Parce que je me suis dit habitude d'attendre français, il fait me sentir que c'est français pour m'attendre. C'est même genre, si tu as regardé un film ça, ou bien une série, ça, un bon bout de temps ou bien depuis l'autre petit, ou ka pran série sa yo vin gade yo en anglais. Avantage ko pral gen, ou pa pral focus sou image koun ya. Ou pral focus sou sa y ap di ya. Ou ap commence développer compétence sa ke ou gen la kay wa ki se listening nan. Gade film yo en anglais. Sa vraiment intéressant pou te gade un film déjà koun yo pral gade l nan l'autre langue. Ou ap apprendre beaucoup plus de vocabulaire,
ou ap senti ou confortable ou ap bagay kote comprenn nan film nan deja nan lot lang ki ou pral comprenn nan lang ki ou ap aprenn kounya. Number 5, listen to podcast or broadcast. Se tande podcast ou bien émission. Podcast se audio préenregistré ki ka dure 30 minutes in un temps kote se tande ou ap tande kote ap trete un sujet nan podcast la. Broadcast la se émission. Rien doit se émission anglais pour apprendre anglais, pour ça tout rien doit se journal. Gen application kounya, quel que soit côté ou yé sou la terre, ou capable tande n'importe qui gros média ou bien journal ou capable tande yo. Par exemple Fox News, quel que soit média li ou capable tande, ça va améliorer listening. Number 6, play games with English instructions. C'est jouer jouet qui gen instruction en anglais. Son j'aime faire expérience à l'aime d'apprendre anglais, yon game qui se Iron Man. Pendant m'a joué game nan, gon tou yo dim, yo bon instruction pou m voler tou. M'pa konn ki j'a di tou en anglais et puis moi c'est tower. Donc moi tout apprend. Si ou prend habitude jouer game qui gen instruction en anglais, ça pral permettre de temps en temps ou habituer ensemble d'instruction. Étant donné nous pas parler de writing, n'a parler de speaking, mais journée jodi a gen game tout qui c'est speaking, gen game qui tankou film pou tout temps de moun yo a parler seulement. Donc ça capable aider ou améliorer listening. Number 7. Listen to English music. Tande musique anglais. Tande musique anglais qu'on remet, ça permet que listening ou améliorer. Parce que les moun yo parlé gon ensemble de bagay que yo fait. Gran pile réduction que yo fait. Toutefois ou tande ou commencer comprendre, donc habitude là a créer la caillou. Musique important pile. Et c'est belle bagay oui, l'on pas apprendre on langue avec ça remet. Donc ou capable utiliser musique pour améliorer listening. Et dernier point dans catégorie ça dans vidéo c'est watch only English TV programs. C'est garder seulement programme télévision en anglais. Il y a monde qui voyage dans un pays anglophone qui juste chita à regarder programme télévision dans une langue qui rive comprendre. Et mes amis nous yo sur channel là qui compte partager d'expérience avec moi, yo kon dit que yo gen ti moun yo qui garder ça n'a pris les cartoon ou bien ti comique. Et puis yo vinn commencer à améliorer dans anglais jusqu'à ce que vous parlez anglais net. Donc si vous prenez habitude garder programme télévision en anglais, ça va améliorer tande ou, mais pas seulement tande ou, là pas améliorer parler anglais tout. Donc c'est une belle expérience. Donc nous souhaite partager 8 points avec vous d'une manière générale qui va permettre ou tande anglais. Mais kouni am pral partager 5 autres points avec vous si que ou parler avec un monde physiquement. Sorry si vidéo ça ta longue. Mais c'est très important. C'est gratuit, mais j'espère qu'on prend temps pour capable tande ça que m'a dit là. Ça qu'on arrive gen quelque dans nous, nous parlons blanc, nous comprendre, blanc tande nous tande blanc et puis qu'on a parlé en l'autre, nous pas attendre. Et bien dans 5 points que m'bra le partager avec vous là, ou a joindre bagage qui ca aider ou améliorer. Si vous parlez avec un étranger, soit un américain quelconque physiquement, qui sont ca faire pour capable tande très bien. Premier bagage ou ca faire c'est consider eye contact. Eye contact c'est le regarder moun nan yeux. La kay nou en Haïti, le regarder grand moun nan yeux c'est mal élevé. Mais l'on parle avec un étranger tant qu'un américain, sou pas regarder le yeux, ça veut dire que ou pas bay ça l'a dit à valeur. Donc ou supposer garder moun nan yeux, ça permet que ou rive tande l. Mais pas garder moun nan yeux comme ça fixe seulement son pas bad yeux. Non, ça est pas ça yo di. Fon garder moun nan, fais l'autre coup d'œil, mais focus sou moun nan. Bay moun attention, eye contact, c'est très important. Number 2, pay attention to non-verbal signs or body language and tone. C'est prêter attention avec geste moun nan fait. Body language c'est langage corporel. En pile fois parler au monde geste fait qu'on faut comprendre. Fait expérience ça déjà côté m'a parlé à docteur, yo dit de bagaille que m'pas connais. Mais l'explication que a bay moi rive comprendre yo ou bien geste qu'a fait moi rive comprendre. Donc si on parle avec un natif, garder moun nan, geste ka permettre pour comprendre tout parce que tande a c'est pour qu'arrive comprendre. D'accord? Number 3, make a mental image of what the speaker is saying. Troisièmement qui ça pour faire c'est créer une image de ça moun ka parler a dire. Par exemple, moun ka parler a gen doit dire un bagage pour gen t'a deviner scène nan. Ou dans ouais scène nan, ça ka permettre pour comprendre. C'est très important parce que l'on parle au monde, sou pas arriver comprendre, pas une communication.
Number 4, provide feedback. Lors parler avec un natif, montrer que vous comprenez. You know moi que fait ça c'est lorsque mon n'a dit un mot et pour finir mot à pour lui. Ou montrer que ou enjoy ça l'a dit ou comprendre parfaitement bien ça l'a dit ou bien chercher comprendre ça l'a dit lorsque ou collaborer avec la communication. Donc li ouais que ou gagne attention sur lui, li ouais qu'on écoute elle, si ou pas ta comprendre un bagaille, ou seulement dire ça. Et puis lui-même la comprendre pour ou bien chercher l'autre moyen pour le faire comprendre. Number 5, which is the last, focus on the wall idea, then translating it in your mind. C'est focus sur grand idée qui a dégagé dans sa mon abdia au lieu que vous-même ou essayer traduire phrase ou bien mot dans tête. Donc c'est 13 bagages ça yo que me gagne pour me partager avec nous. Moi partage en premier catégorie qui gagne 8 là dedans d'une manière générale. Et moi partageons l'autre catégorie lorsqu'on parle à mon physiquement comment on fait pour tander. Mais si la vidéo ça utile non et tout le monde sur Facebook moi qui t'ai commenté qui fait me connaître un problème ça et à tout le monde sur YouTube moi qui toujours dit moi un problème listening. Mais j'espère que jodi a vidéo ça a utile non et promettre moi que nous allons mettre tout ça en application et après quelques temps pour nous dire mais qui progrès que nous fait. Je ne connais déjà nom c'est Daniel, pas oublier commenter, partager, like et me dit non besoin plus abonner pour travail que m'a faire. Soudain même venir avec l'autre vidéo qui dans série a parler de l'autre compétence parce que il y a 4 compétences avec l'autre question que nous t'ai posé sur qui ça au café pour parler anglais. Vous me connaissez ça tout dans commentaire. Bien on croiser pour l'autre épisode. Ciao.